Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir quelqu'un du RER parce que les gens en avaient peur. Il y avait un gars qui était assis sur les places de 4 là. Ouais. Il y a un gars avec des bouteilles de Grand Marnier qui voulait frapper tout le monde et je voyais que tout le monde s'écartait. Ouais. Et moi, j'étais voir au loin et j'ai attendu qu'il y ait l'ouverture de la station et je dis allez, faut y aller, monsieur. J'ai attrapé, je l'ai sorti. Mais j'ai la vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo. Il y avait un mec alcoolisé avec deux bouteilles de Grand Marnier. Je me suis dit, il va mettre un coup à quelqu'un. Il avait mis une droite, je crois, à un étranger qui était dans le truc. Il y avait des gars costauds, hein, franchement, et tout le monde s'écartait de lui. Et moi, je suis arrivé, je fais comme ça, vous faites peur aux gens. Et lui, il a dit ouais, c'est un ancien, tu vois un peu, tu vois. Et il m'a dit ouais, tu vas faire quoi? J'ai attendu une station. Une station, tu sais, l'ouverture d'une station. D'un coup, j'arrivais vers lui, je l'ai attrapé, je l'ai garrotté dehors, et après, il est revenu. Bon, je dis, vas-y, je vais le filmer en même temps que je le prends. Donc, je le tenais, je lui dis, attends, tu vas continuer et tout. J'ai une question. J'ai vu la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il était ensemble, monsieur? Ah non, je l'ai pas frappé. Non, je l'ai pas. Non, non, il saignait déjà avant. Non, non. Bouge avec tes trucs la prochaine fois, ok? C'est bon. Je l'ai pas frappé. Non, vous savez, franchement, même dans une bagarre, on s'attaque avec on a une altercation, on évite de mettre des coups. Ça peut être, des fois, ça peut être fatal, un coup.